Salut à tous les amis, on va continuer aujourd'hui notre aventure sur Outriders. On s'est arrêté ici dans cette zone, dans le désert, et on va poursuivre notre aventure. Et je pense, hein, j'en suis pas sûr, mais qu'on attaque vraiment peut-être l'avant-dernière partie de cette grande aventure qu'on a eue jusqu'à maintenant d'Outriders depuis bientôt 2 semaines. Donc c'est parti, continuons l'aventure. Et ça commence déjà à castagner. Allez, on va se concentrer. Il y en a plein d'ennemis qui arrivent là. Bon, ça c'est des petits, hein, c'est pas trop compliqué. Mais là je pense que... Oula, putain, il y a un aigle. Oula, oula, attends, je vais me concentrer, je vais pas trop parler là. Le désert, c'est que des emmerdes. C'est parti. Bon, ça allait, plus ou moins. Alors, on va aller directement vers le char. Et on va peut-être sûrement détruire cette porte. Alors, désolé, hein, si je parle pas beaucoup durant les gameplays. Là, j'ai envie de terminer cette aventure, là, les 2 dernières vidéos, où je vais pas trop parler. Je préfère que vous suivez un petit peu l'histoire. J'ai assez déjà bavardé, hein, 1 dizaine de vidéos sur toute l'aventure. Là, j'ai vraiment envie d'aller tranquillement et poursuivre l'aventure tranquillou. Donc voilà, hein, tranquillou, voilà. Je parlerai de temps en temps un petit peu, mais pas autant que j'ai fait juste depuis le début de l'aventure. Hein. Allez, bon là, à mon avis, il y aura plein d'ennemis à l'intérieur. On va voir ce qui se passe. Ça va faire très très mal. J'adore ce décor, le sable là, le tempête de sable, c'est trop beau. Moi j'adore les zones désertiques. Donc allez, allez, on se concentre, on va pas trop parler, comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, je parlerai pas beaucoup durant cette vidéo. Donc concentrons-nous et faisons le ménage.
Allez, il en reste très très peu encore des ennemis. Allez, 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 enchaîne. Allez, 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 concentre-toi. C'est bon. Il y en a encore deux, je crois, ou un seul, je sais pas. Oh, tu vas où, toi? Il y en a deux, il y en a encore deux, je pense, et après on aura fini la zone. Allez, toi tu dégages, et toi tu dégages. Bon, parfait. Parfait, parfait. On a eu nettoyé toute cette zone. On va reprendre un petit peu de munitions juste ici. Voilà, bouge. Ouais, c'est connu, ce con. Ok, ça c'est bon. Et on va avancer de l'autre côté. Il y aura encore une partie, une zone où il y aura des ennemis, hein, forcément. Et on va pas trop parler. On va voir ce qu'on peut faire. Je fouille un petit peu les environs. On sait jamais, c'est des petites choses, mais bon. Apparemment, il n'y a plus rien. Ah, j'ai vu un coffre là-bas au fond. Est-ce que j'ai assez ou l'inventaire est plein? Ouais, l'inventaire est complètement plein. Je sais même pas comment je vais faire. Mais bon, c'est pas grave. Allez, encore une autre zone et ça va être encore la merde avec plein d'ennemis qui vont nous sauter dessus.
Allez, allez, il en reste quelques-uns ici. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, 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 allez. Crève, saleté. Voilà. Parfait. Bon, on a eu le dernier. Très bien, très bien. T'as pas lâché des petites choses, non? Ah, il y a quelque chose à prendre de l'autre côté. Un petit objet, sûrement. Et après, on passera de l'autre côté. Bon, je parle pas trop. Je veux pas. Pour une fois, j'ai pas envie de trop parler. On avance, on avance. C'est une succession de zones d'ennemis, hein, tout simplement. Hein. Et on avance dans le désert jusqu'à qu'on trouve notre truc, quoi. Ok. Bon. Tac, tac, tac. Je vois bien s'il n'y a rien à ramasser de plus. Et on ouvre la porte. Ok, ok, ok. On y est. Boum. Parfait. On est rentre. C'est vraiment des... Ah, voilà, une bonne sauvegarde. On capture le drapeau. Boum. Ça, c'est fait. On prend encore un peu de munitions. Et là encore, ça va être la merde. Et il y aura une succession de vagues d'ennemis. C'est reparti pour un tour. C'est bon, Zaidi. La voie est libre. Je vous attends. Zaidi, j'ai activé un vieux générateur. Je suis surpris qu'il fonctionne encore. Il alimente ce que je pense être un quartier général. De l'équipement militaire d'élite. Il fonctionne sans électronique. Voilà pourquoi tout a survécu à l'anomalie.
Mais disons que c'est fou le nombre d'ennemis qu'il y a dans cette zone, c'est oufissime, hein. Je crois que c'est le dernier celui-ci, hein. Allez, enchaîne. Tac, 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 crève, c'est bon. Bon, là, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, c'était un peu compliqué, hein, là, dans cette zone, j'ai pas mal galéré. On a beaucoup tourné en rond, surtout avec les espèces de mini-boss, là, c'était assez relou. Mais bon, allez, poursuivons, c'est parti. Écoutez ça. C'est un système de relais numérique. Mais il est censé relayer quoi, au juste ? Notre signal ? Notre signal ? C'était eux ? Mais on l'entendait quand j'ai atterri. Comment c'est possible ? Ça ne l'est pas. C'est impossible. Un seul vaisseau interstellaire a quitté la Terre. Le nôtre. Mais alors c'était qui ? Aucune importance. Trouvons ses coordonnées. On se connectera et on pourra contacter Smuddy Flores. Nous avons les coordonnées. On bouge à votre signal. Boss. Les sauvages les ont bien eus, en tout cas. J'ai regardé leur véhicule de plus près. J'avais jamais vu un armement pareil. Ça leur a pas réussi, en tout cas. Ouais. Mais nous, ça pourrait. Tu penses à quoi, au juste ? Peut-être que la force principale s'est détachée quand ils ont été attaqués. Si on peut récupérer des pièces, je devrais pouvoir bricoler un petit truc qui enverra du bois. Tu peux faire ça ? J'ai retenu deux ou trois trucs que le vieux m'a appris. Peut-être plus tard. Tant d'hommes ont brûlé, prisonniers de leur véhicule. Oh, quel fâtre. Mais qui était-il au juste ? Reste ici. Je vais essayer de nous frayer un chemin à travers ces canyons. Dites-moi si vous pouvez atteindre ce grand obélisque, celui que nous avons vu. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Auguste semble attiré, lui aussi. Je sens une grande agitation. Ok, bon, voyons voir ce qu'on a directement dans les munitions et dans les trucs. Il y a quelques petites choses que je pourrais débloquer. Alors, tac, 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 ici, à tour de bras, ouais, ça, je peux prendre ça, c'est intéressant, et là, ah ouais, c'est intéressant, ça aussi, ouais, bon, allez, hop, je vais un petit peu partout, hein, dans cette zone de capacité, là, c'est, mais bon, je sais pas où est-ce que je vais arriver jusqu'à la fin, mais bon, alors, l'arme, on a des armes qui sont assez puissantes, mais il y a certaines armes où je suis pas vraiment à l'aise dedans. Donc, ouais, bon, je pense que c'est bon. Allez, on va poursuivre à l'intérieur. Non, c'est pas mal cette arme. Allez, continuons l'aventure. Là, on n'est plus trop dans le désert, on dirait, hein. On rentre directement dans les roches, quoi.
Le désert, c'est fini, hein. Et ouais. Allez, on avance, on avance. Oula! Ah, c'est des bestioles maintenant. Ok, eh ben, les retours des bestioles sont là. Allez, ben, on enchaîne avec les bestioles. Hein. Tant qu'à faire. Allez, mes petits bébés, là, ça va nous donner un petit peu plus de PV. Allez, venez, 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 y a pas de soucis. Arrête de me sauter dessus, toi tu dégages, voilà, boum, il vient le brochet, oh putain il m'a fait perdre. Vas-y, 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 toi c'est bon. Il y en a encore par là, les petits bébés, voilà, vas-y, enchaîne, 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 enchaîne. Ça devrait le faire. Allez, vas-y, bim, 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 bim. Très bien, voilà, parfait. Il reste encore les gros là-bas au fond. Allez, casse-toi de là, toi. Vas-y, voilà, ça vient de partout, hein. C'est une grosse meute hein, qui débarque, hein. On dirait une horde. Carrément, hein. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai plus de... Il y a presque plus de trucs. Ok, on va les figer un petit peu. Ça nous fera un petit peu plus de PV. Surtout le gros, là. Faut que je me concentre un petit peu sur le gros. Putain, saleté. Aïe. Allez, casse-toi. Tu vas pas crever, toi. Allez, bon, on enchaîne comme ça, alors. Allez, 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 allez. Vas-y, 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 vas-y. Il y a encore plein de bébés, là, qui vont nous donner plein de PV. Allez, crève, ça, c'est bon. Voilà. Parfait. On continue, voilà, boum, 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 boum. Vas-y, vas-y, vas-y. Reste ici, toi, reste ici. Arrête de m'envoyer tes missiles, toi. Arrête de m'envoyer tes missiles, casse-toi de là, toi. Oh là, puis il y en a plein. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, brochette. Une belle brochette de nuit. Allez, venez là, vous, là, les pipelettes, là-bas, au fond, là. Allez, casse-toi. Toi, tu dégages aussi. Voilà, voilà, voilà. Les pipelettes, vas-y. Ah, c'est... Ça enchaîne là, ça enchaîne bien. Allez, casse-toi, toi. Allez. Oh putain, il y a un autre gros. Allez, boum. Allez, enchaîne. Vas-y, 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 vas-y. On peut l'avoir, on peut l'avoir. Allez, enchaîne. Non, 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 tu mourras pas, toi. Tac, 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 tac. Il y a encore 2-3 bébés là qui sont là-bas. Voilà. Oh, il y en a plus que 3. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Vas-y. Voilà, ça c'est bon. Aïe. Eh hey, oh, qui t'a dit de me tirer dessus toi hein. Allez, casse-toi de là. Allez, boum, explose. Explose, je te dis, voilà. Putain, mais il y en a combien ça finit jamais ou quoi là. Allez, vas-y. Viens ici, toi, viens là, viens là, viens là, voilà. Bim, bim, bim. Voilà, je crois que c'est le dernier celui-là. Hein. Lui, c'est le dernier. Tac, 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 tac. Voilà, 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 voilà. Boum. Voilà, c'était le dernier. Ils m'ont bousillé toute ma vie, hein. Toutes mes munitions, ils l'ont bousillé, ces enfoirés. Hein. Bon, on va essayer de trouver d'autres munitions dans le coin, mais ça va être bizarre. Allez, on fouille un petit peu les environs, et on retourne vers la zone où il faut aller, tout simplement. Ça sert. Apparemment, nous ne sommes pas les premiers humains ici. Je vois des cadavres. Les mêmes dont on a vu les véhicules ? Dans le sable ? Possible. Je parie que Monroy les a envoyés depuis son fort. On dirait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Si nous pouvions découvrir qui ils étaient et ce qu'ils faisaient ici, ce serait fascinant. Ouvrez l'œil. Très bien, la zone de capture fait, réapprovisionnement fait, et là, ça va être encore la merde de l'autre côté, j'en suis sûr. Alors, je sais pas si ça va être des humains ou des ennemis, mais là, à mon avis, ça va être des humains. Dégagez les ruines, d'accord. Ouais, c'est des humains. Enfin, des humains, c'est Viti, hein, c'est pas vraiment des humains. Allez, on va se concentrer et pas trop parler.
Allez, le petit dernier, là. Le petit dernier. Allez, me touche pas, toi. Allez, casse-toi. Voilà. Très bien. Explorer les vestiges. Tac. On ramasse les deux dernières munitions qui restent autour. On fouille un petit peu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, ok, ok. On descend en bas. On voit ce qui se passe. On fouille le truc. Il y a quoi comme zone là-bas là? On dirait qu'il y a une zone assez vaste. Ouvrir la porte. Très bien. Alors, il y a une caisse ici. Hop. Voilà, parfait. Mon inventaire est plein, donc au final, ça me sert à rien. Il y a quoi ici? Il y a rien. Rien de l'autre côté. Ok, bon, on retourne de l'autre côté. Et on va ouvrir la porte en question. Et je sais pas ce qui va se passer de l'autre côté. À mon avis, ça va être la grosse merde. Il y a encore des ennemis qui vont arriver de toutes parts. Qui vont arriver de toutes parts. Et ça va être la grosse merde. Mais bon. Ouais, on y arrive. Hein. On avance. Et puis basta. Hein. Ok. On descend les escaliers. On va faire tout le tour. En tout cas, c'est beau ici. Hein, j'ai l'impression. Bon, j'ai l'impression d'être dans un jeu de Lara Croft. Vous voyez, les ruines, les portes qui s'ouvrent, les codes secrets, les trucs comme ça là. Les énigmes. On dirait une. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Mais on dirait un temple. Ancré dans la roche, quoi. C'est pas mal. C'est super beau. Allez, bon, on avance tout simplement. On n'est pas ici pour admirer le paysage. Allez, on va reprendre ça, récolter ça. Bon, je sais pas, ça... Je m'en sers pas grand-chose, mais bon, ça peut être intéressant. Si je peux améliorer mes armes, si, ça c'est du fer, oui, quand même. Allez, on avance. On va rouvrir l'autre porte. Et derrière, il y aura encore une zone d'ennemis, je pense. Allez, hop. Ouvre-moi cette porte. Ah, point de sauvegarde, parfait. Ça m'arrange. Voilà, on capture le drapeau. Et boum. Voilà. On serait à Prevision. Voilà, parfait. Et on va de l'autre côté, je pense. Ouais. Ouais, de toute façon, il n'y a plus de. On peut pas aller par là. Ouais, ça doit être de l'autre côté. Il y aura encore des ennemis à attendre. Ouais, après, il faudra aller vers ce grand bâtiment là-bas au fond. Qui, à mon avis, nous réserve pas mal de choses à l'intérieur. Allez, c'est reparti.
chemin qui mène à l'obélisque est dégagé. Auguste et moi sommes juste derrière vous, Outrider. Vous ne devriez pas être au camp à attendre mon signal. Désolé, Auguste s'est échappé. Je ne pouvais pas... Faut que vous voyez ça. Auguste, il s'est passé quoi ici? Ils arrivent! Sortez de là! Maintenant! Oh merde! Cachez-vous! Là-dedans! Vite! Ok, on se concentre sur la vague d'ennemis. Là, ça va être que des bestioles, il n'y aura pas d'humains. Donc ça devrait se passer très bien, normalement. Hein, s'il n'y a que des ennemis, petites bestioles comme ça, ou des petites moyennes, quoi. Ça devrait le faire. Ok, voilà, bon, ça c'est des petits. Hein. Je pense qu'il y aura un gros, forcément, qui va arriver à un moment ou à un autre. Mais là, c'est que des petites pour l'instant. Donc ça devrait le faire. Auguste, derrière moi.
par ici ! Bande de cafards géants ! Bande de cafards géants ! Auguste ! Auguste, à l'aide ! Le pistolet ! Auguste ! Pitié ! Où est-ce que tu vas ? À couvert, vite ! Qu'est-ce qui est arrivé à Auguste ? Le peuple d'Auguste n'a pas été massacré par des sauvages. Non, ils sont devenus des sauvages. Mais pourquoi ils feraient ça ? Outrider, nous allons enterrer la dépouille d'Auguste. Vous voulez vous joindre à nous ? Je n'y suis pas encore. Je vais rester encore un peu et fouiller les décombres du camp. Eh ben, dis donc, décidément, tout le monde crève dans cette aventure, hein, c'est pas possible. Hein. Entre le père de Shala, entre Auguste, entre... c'est qui est l'autre qui a crevé déjà au début ? Je crois qu'il y en a un autre qui est crevé, je me rappelle plus c'est qui. Mais elle a pas mal, hein, dans cette aventure. Hein. Je crois qu'on va finir tout seul au final. Allez, on va retourner de l'autre côté. Et on va repartir vers notre camp, hein, tout simplement. Il hein. n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. Pour comprendre. Il a pris assaut. Mais quand il a appris que le fort était perdu, il a battu en retraite jusqu'à sa colonie. Sa colonie ? Nous devrions les chercher, dès que nous aurons trouvé le signal. Quand vous voudrez y aller, vous nous trouverez au camp.
Nous sommes tout prêts. Le signal vient de l'autre côté de cette crête. Ouvrez bien l'œil. Si quoi que ce soit bouge, courez. Un instant, je vais nous frayer un passage. L'heure des réponses a sonné. Qu'est-ce qu'on a là ? Zaidi, j'ai trouvé d'autres écrits des hommes de Monroy. Je pense qu'on approche de leur colonie. On dirait que Monroy ne croyait pas les Pax si pacifiques. Quand leur technologie a commencé à briller, ils pensaient que les Pax tentaient de la saboter. Ensuite, alors qu'une tempête se préparait, ils ont surpris les Pax en plein rituel près des obélisques. Monroy croyait que les Pax causaient les tempêtes ? Je me suis dit la même chose la première fois que j'ai vu August. Allez, on est de retour dans le désert. Et c'est reparti pour une succession d'ennemis. Et là, ça va être autour des humains cette fois-ci. Hein. Allez, enfin des humains. Pourquoi je dis des humains? C'est même pas, c'est des exilés, c'est des bestioles, c'est des monstres, c'est des ninjas, c'est des... Je sais même pas ce que c'est, ça on dirait des... Je sais pas. Mais bon, allez. On se concentre, on parle pas beaucoup, j'ai pas envie de trop parler. Mais là, on approche vraiment de la fin de l'aventure. Je vais trop me taire, je vais trop me taire. C'est pas français, mais bon, c'est pas grave. Je vais me taire, plus que je vais parler, parce que bon, je préfère que vous voyez... Simplement, on castagne depuis le début de l'aventure. Donc, voilà. Hop, il y en a plein qui arrivent là. Allez, casse-toi de là. Allez, continuons. Concentrons-nous, parce que là, ça va faire chaud. Ça va être très chaud. Thank you.
Quand les tempêtes ont grillé la majorité de leur technologie, Monroy a perdu la tête. Il a demandé des comptes aux Pax et l'accès à leur pouvoir. Mais ils ne comprenaient pas. Alors ils lui ont offert tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont guidé Monroy à travers la jungle, jusqu'à leur cité sacrée. C'est sûrement cette ville, l'endroit qu'on a découvert.
Les Pax l'ont mené jusqu'au Grand Temple pour lui montrer comment ils entraient en communion avec l'anomalie. Mais Monroy a cru que c'était un complot visant à l'éliminer. Il a fait exécuter les chefs Pax et bloquer l'accès au Temple tant qu'il ne pouvait pas le contrôler lui-même. Mon Dieu! Monroy a compris de travers tout ce que les Pax ont fait. Bon les amis, on va s'arrêter à là pour cette partie, cette 11e partie de l'aventure de Outriders. Je pense que la prochaine vidéo ce sera la dernière, je pense, hein, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'on vraiment on arrive vers la fin de l'aventure. Je l'ai vu hein, sur la carte, hein, de toute façon il n'y a plus de zone en plus, hein, la carte elle s'arrête au moment où voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu cette 11e partie de Outriders, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner évidemment. Et on se retrouvera pour la suite lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, tout simplement, on plante le drapeau, on se réapprévisionne. Et allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.